c'est le temple de l'opéra plutôt. C'est un honneur d'être ici, aussi d'être, de faire un mentorat avec Thomas Engelbrock, avec Duncan Ward, avec des chefs qui sont vraiment super. The mentorship sounded like it was the perfect opportunity to observe and to be in this environment and to be able to watch all of these productions, to see the rehearsals, to meet singers, to meet so many artists that are around here and to actually be able to conduct a review. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on a, en fait, ce qui était bien, c'est qu'on a vu vraiment plusieurs facettes finalement de la préparation d'un concert ou d'une production, puisqu'on a vu à la fois les dernières répétitions scénique orchestre d'un opéra. Ensuite, on a basculé sur le travail avec les chanteurs de l'académie, où on a pu les voir à la fois dans le travail avec le chef et dans les lectures avec orchestre, mais aussi dans du travail beaucoup plus individuel et ciblé avec leur chef de chant, avec leur professeur de chant même. Et c'est rare, je pense, d'avoir ces occasions-là, de voir vraiment quelque chose de très intime, un peu presque, mais du coup, on a pu assister à ça. Et moi, ça m'a beaucoup appris, en fait, et j'ai retenu vraiment plein de choses de ce que j'ai vu. This week particularly, it's very special that we've been able to watch the Elias rehearsals with the choir and with the singers. And so to be able to be inside this production and to observe everything, it's been very educational and interesting and musically so enriching as well. C'est une opportunité fabuleuse pour nous, pour apprendre, pour observer, pour faire des rencontres aussi. Je pense que l'opéra, c'est très important pour ça. On va travailler avec des metteurs en scène, des artistes divers, et c'est pour ça que je suis ici. I think it's great that we have these opportunities as young conductors because we don't get to practice our instrument at home, so we only get to actually put our hands in the music once we get in front of an orchestra. So it's very special to be able to do this here in Aix-en-Provence, to do this with singers, to do this with marvelous mentors, and to have all of these means to explore our technique and our musicality as well. À terme, j'espère que le genre ne sera plus une question quoi, dans la direction d'orchestre et qu'on dira juste c'est un ou une chef d'orchestre, mais ça ne change rien finalement à la qualité artistique du travail. Pour le concert du 6, on a divisé le répertoire entre nous, les trois chefs. On fait des airs, des extraits des Noces de Figaro de Mozart, un opéra qui est très important, bien sûr, dans l'histoire de l'opéra. Et c'est vraiment un projet collectif. On a déjà on est déjà dans l'ambiance en fait de l'opéra. On a vu répéter la mise en scène qui est vraiment vraiment super, je trouve. Et pour ça, du coup, c'était inspirant de voir ça en amont. Après, on a eu une séance de travail là déjà avec les chanteurs qu'on dirigera pour la masterclass. Donc, on a travaillé un petit peu avec un chef de chant et puis travaillé les airs. Et puis après, je pense que avec l'orchestre, ce sera encore différent. En général, il se passe toujours. C'est là que tout prend son sens.